L'usine France Charbon a constitué jusqu'en 2009 le dernier témoignage d'une vie industrielle du port de Caen au cœur de la ville. Ses actionnaires étaient les descendants de Pierre-Jacques-Édouard Lamy, armateur cannais, à l'origine de la célèbre société navale cannaise créée en 1903. Les cargos livraient au pied de l'usine des fines à coque et du bray, liant utilisé dans le process. Je suis entrée dans cette usine, caméra à l'épaule, fascinée par la silhouette de ces grues, désormais immobiles, embarquées par mon imaginaire portuaire. Mais ce voyage fantasmatique au milieu des fumées et des structures d'acier a rapidement cédé la place à la rencontre avec des ouvriers qui, sous mes yeux médusés, fabriquaient leur dernier boulet de charbon.